nous a amené le soleil. Il nous a amené le soleil. Il nous a amené le soleil. Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci. Jean-Claude Duss de Paris. Jean-Claude Duss. Et non, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise. On va vous arranger ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Ah, heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera ça le temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous avez pas compté sur moi, parce que sinon, il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. Ah ouais, c'est drôle. Je vous avais pas dit, il travaillait dans la coiffure. Tenez-vous bien, elle a tenté d'électrocuter avec un séchoir. C'est quoi mon prénom? Non, moi je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais je les aime grands, exagérément musclés. Et surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi quoi. Allez, il ferait chier de me répondre, c'est une espèce de pétasse. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Attendu les dames. Allez. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Et la Shintok, vieux, la petite hôtesse, elle est maquée? Ouais, elle est avec moi. Et sa copine, la frisée? Elle est maquée aussi avec moi. Ah bon? Écoute, vieux. Oui. Il y a 500 GM ici. 500? Ouais. Alors t'as le choix. Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec? Ça dépend du mec, ça. Ah oui, d'accord, ouais. Moi, ce que j'ai, c'est chaque fois que je me baigne, ça me fait une irritation. Et j'ai des peaux dans l'arrière-gorge. Oui, c'est rien, tu dois faire une petite irritation à l'eau de mer, je pense. Eh ben moi, à chaque fois que je passe la seconde sur ma 504, j'ai les pignons qui craquent. C'est pas grave, docteur. Bah, écoute. T'as qu'à me l'amener à la clinique, on lui fera une petite radio. Non, non. Mmh. Dis donc, t'es sûr de ton chemin, docteur Schweitzer? Oui, oui, on arrive, ça s'éclaircit. Tu vas voir, ça vaut vraiment la peine de s'écarter de la plage. Voilà. C'est ici. Tu vois, dans un endroit pareil, je pourrais rester assis des heures sans parler. Juste à contempler. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse? Ça aide. Allez, viens, on va te baigner. Oh, elle est super bonne, hein. Bien. Allez, viens te baigner, elle est vachement bonne. Aïe! Oh, je me suis fait un mal de chien. Ça a l'air dur ton truc, je suis sûr qu'il y a des rats. Mais non, il n'y a pas de rats. Où tu vas? Bah, allez, sois pas ridicule, elle est vachement bonne. Ah, y'a une bête! Y'a une bête! Attends-moi, y'a une bête! Jean-Claude, tu viens, on s'en va? Je vais rester 8 jours de plus, je crois que j'ai une ouverture là!